de maternité. Ouais. Et Dieu a fait grâce, est venu, j'ai accouché d'un garçon. Ouais. Mais quand j'ai fini d'accoucher, et 4 mois après l'accouchement, j'ai eu l'impression d'être déconnectée de la réalité. 4 jours après l'accouchement, vous avez quoi? L'impression d'être déconnectée de la réalité. Déconnecté de la réalité. Oui, c'est-à-dire, je ne reconnais pas la voix, je ne reconnais plus mes parents. Au fait, la mémoire, tout ça, là, ça a été affecté. Oui. Voilà. Même pour conduire, tout ça, là, je n'arrive pas à conduire. Je vois flou. Quand je vois les étages, je commence pas à avoir peur, à paniquer. Les lumières me font paniquer, tout ça, là. Donc, j'ai essayé de faire un IRM, tout ça, là, ils ont dit ça va bien. Et au niveau du côté du sang, ils ont dit ça va. J'ai essayé de voir un psychologue. On a essayé la bon. De faire la psychologie, tout ça, là, mais ça n'avance pas du tout. Ça n'avance pas du tout. Donc depuis 3 ans, ça traîne. Depuis combien d'années? 3 ans déjà. Bon, disons 2 ans et demi. Disons C'est où? 2 ans et demi. Vous êtes où? Je suis à Cotonou. Ok, vous êtes à Cotonou, d'accord. Je rentre le 11, donc déjà le 12 ou le 13, il faut m'appeler, d'accord? Okay, sinon, j'ai essayé de vous appeler aujourd'hui, mais disons depuis Aujourd'hui, je n'ai 3 jours. pas eu de temps. J'étais en consultation tout le temps. Ok. Donc, laissez-moi descendre. Pour vous qui êtes au Bénin, là, laissez-moi descendre au Bénin, on va gérer votre cas. Vous qui êtes en Afrique, laissez-moi descendre au Bénin, on va gérer votre cas. Je m'occupe d'abord de ceux qui sont en Europe. D'accord? Ok. Ok, Vous papa. m'écoutez? Oui. Aussi, j'aimerais vous dire que je suis du Cibel. Je suis du 16 avril. Le 16 avril, vous êtes du signe Bélier. Déjà, je profite pour vous dire que lors de l'accouchement, vous avez ouvert, il y a une partie de votre troisième œil qui est ouverte sans votre volonté. Et c'est ça qui vous perturbe actuellement. On peut faire n'importe quelle analyse, ça ne va rien donner. C'est spirituel. Et ce n'est pas un envoûtement, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est parce que vous avez été dans un état qui a traversé votre esprit. Et votre troisième œil a été ouvert un peu. Ok. C'est ça. Parfois je me dis, bon, peut-être c'est l'envoûtement, tout ça là. Pardon? Donc, parfois je soupçonne ça, quoi, l'envoûtement. Non, ce n'est pas l'envoûtement. D'accord? Ce n'est pas l'envoûtement. On va gérer ça et vous allez fermer le troisième œil. Quand le troisième œil est ouvert, c'est comme ça, on perd la mémoire, on commence pas à ne pas se retrouver, plein plein de choses qui mélangent. Mais on peut gérer ça, ne vous en faites pas. Donc, en tant que bélier, votre jour de chance est mardi et votre couleur de chance est la couleur rouge. D'accord? Ne mangez pas à tarte, qu'on appelle le beignet. Ne mangez pas à doué. Ne mangez pas la viande du coq. Ne mangez pas le maïs grillé également. Ok, papa. Ça peut aller. Oui, donc je vous contacte sur le numéro du Bénin, c'est Le ça, numéro là. du Bénin, appelez-moi directement à partir du 22, à partir du 12. Papa du 12. Ok, papa. Ouais. Merci beaucoup. Maman. Je vous Non, en prie. merci à vous. Maman. Maman. Je profite pour dire, on avait fait une erreur. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 8 décembre et non le 8 novembre. D'accord? Tous ceux qui sont nés un 8 décembre, ce que nous sommes, nous vous souhaitons le meilleur, santé, longévité, prospérité et liberté à tout un chacun. Mardi, Eva, mercredi.